Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour notre épisode 10 sur... Voilà, sur Resident Evil, premier du nom, on a fini les égouts les amis. Deux toutes petites vidéos sur les égouts, c'est franchement c'est bien. C'est un passage assez rapide mais tellement chiant parce que infesté... Eh bien, infesté de Hunter, comme vous avez pu voir. Mais là, on va attaquer le dernier morceau du jeu. Et alors, ça va être entre guillemets, soit bien, soit non, à voir. À voir, à voir. Alors. Nous allons déposer les rubans. En niveau santé, on est bon. On va garder le Beretta pour le moment. Bien que, ouais, c'est juste pour le passage ici que nous allons garder le Beretta. Et on va aller prendre une arme un peu plus costaud. Certainement le fusil. Pour la suite. En termes de soins, on en a quand même de côté. Hein, donc c'est plutôt cool. En termes de bazooka, il nous reste 4 acides, 30 explosives, on a vraiment de quoi faire et on va en trouver d'autres hein, pour le bazooka, donc ça va être pas mal. Pour le fusil, ça va, on en a encore un petit peu de côté et le magnum, ça va. Ça va. On a 13 balles de magnum. Ah, on a des cartouches flammes, tiens, ici. Je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais plus. Bah, attendez, on va ranger ça comme il faut. Quand même, attendez. Voilà, un inventaire bien rangé, c'est un inventaire où on se repère le mieux. Et on va garder donc les deux médaillons. Et bien c'est parti les amis. Évidemment, on va faire attention à ces sales bêtes, ces petits serpents. Là, ici, j'étais toujours persuadé hein, qu'il y avait un Hunter à un moment donné, mais non. Bah, écoutez, tant mieux, tant mieux. Je confonds peut-être avec la version Director's Cut. Parce que entre la version Director's Cut sortie un an plus tard que le jeu original, eh bien, il y a eu des petits changements. Est-ce que cette arme bleue, on la ramasse? Ouais, allez. Ramassons-la. Sait-on jamais. Parce que de toute façon, est-ce qu'il y a d'autres ennemis qui peuvent nous empoisonner? Mais jusqu'à la fin du jeu, je ne pense pas. De toute façon, on va avoir assez de place. Voilà, donc ici, vous voyez un loup iravé dans la cavité ronde. Eh bien, on va mettre la médaille du loup, évidemment. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien, on va mettre... Voilà, un aigle est gravé dans la cavité ronde. Mettons la médaille de l'aigle. Et voilà, un passage... C'est ouvert à nous. Un petit ascenseur. Alors, là, ça va être le moment de vérité. Est-ce qu'on va tomber sur le barré ou non? Parce que souvenez-vous, on avait un choix à faire dans la dernière vidéo entre partir avec Barry. Est-ce que on laissait Barry aller tout seul ou non? Nous, on avait choisi qu'il restait avec nous. Et normalement, c'était le bon choix, mais... Bon, en fait, voilà, il se peut que Barry meure, en fait, dans les égouts. Et on le trouve bah, agonisant dans les égouts. Ou on peut le trouver agonisant ici. Donc j'espère que...
ça ne sera pas le cas. Sortie de secours déverrouillée en cas d'urgence. Très bien, donc cette porte-là hein, est fermée hermétiquement. Il y a une plaque sur le côté droit, bon, on vient de la lire. Mais ici, vous avez une échelle. Eh bien, descendons-là, et je crois que c'est en bas de cette échelle-là que... Bah, on peut ou non voir Barry. Donc, logiquement, on ne devrait pas le voir, mais... Ok. Bon, il n'a pas l'air d'être là, donc très très bien. Une malle ici. Alors, la prochaine salle de sauvegarde n'est pas si loin que ça, mais n'est pas très proche non plus. On va se prendre... Alors, attendez. Ouais, on va se prendre le fusil, on va se prendre les cartouches. Et je vais prendre avec moi un disque émo. Alors, je vous disais, hein, on en a... On a 3 disques émo au total à trouver. Le troisième se trouvera eh bien, ici, les amis, parce que nous sommes dans un laboratoire. Et donc là, des zombies à l'ancienne. Mais eux, ils font mal. Hein. Allez, lui, il est mort. Alors, je crois qu'ici, il y en a 3. Il a des herbes, mais il y en a une... Comment dirais-je? Nous avons une malle qui est juste à côté. Ok, parfait. Je me doutais qu'il n'était pas mort, mais... Alors, récupérons ces herbes. Alors, d'un côté, ce qui est bien, hein, c'est que là, on trouve des herbes vertes. On commençait à manquer un petit peu, mine de rien, mais où sont ces herbes rouges? Ah, bah, je pensais qu'il y aurait eu un zombie ici, donc ok, parfait. Alors, il y a une plaque, salle des données visuelles. Très bien. Mais cette porte est fermée électroniquement, donc on ne peut rien y faire. Et tout au bout, nous avons un... Ah bah, le troisième disque émo, bah voilà. Ah bah, je pensais que c'était là qu'on allait utiliser, mais non. Et là, il n'y a pas un tiroir à... Ah non, ok. Bon bah écoutez les amis, on va déjà refaire un petit aller-retour. Bon ici, ce qui est bien c'est que voilà, les deux zombies on se les a fait. On va déposer Est-ce que les disques et bon, on va en avoir besoin? Au pire, façon, ouais, on les prendra. On les prendra, comment dirais-je, à la prochaine salle de sauvegarde. C'est pas bien grave si on. Si on ne les a pas tout de suite. Là, je vais m'occuper du fusil. Parce que le truc relou... Alors, ça serait peut-être mieux de prendre le bazooka, mais j'ai bien envie de garder quand même le bazooka pour un peu plus tard. Parce que le truc relou, là, c'est que la suite, évidemment, va être ici. Mais à partir de là, en fait, on va avoir 2-3 zombies dans ce couloir-là qu'il n'est inutile de tuer. Donc ça va être des nouvelles sortes de zombies, mais vous voyez, il y a celui-là. Bon, celui-là, on va jamais s'en occuper. La première chose, c'est de venir ici. Parce que ces zombies-là, bah, même si vous les tuez, en fait, ils réapparaîtront à chaque fois. Voilà, c'est fait exprès, c'est comme ça.
Ici, pas mal de choses à récupérer. Rien de spécial. Différents appareils et produits chimiques. Rien d'utile. Très très bien. Ça, c'est une porte, ça? Non, c'est pas une porte. Donc là, on est vraiment dans un laboratoire. On sait pas exactement... Alors, la chose importante, c'est de récupérer les diapositives qui nous serviront dans la salle audiovisuelle à l'étage, mais qui est fermée pour le moment. Mais on va pouvoir tout déverrouiller. Et vraiment, hein, c'est ce passage-là, c'est l'ambiance et les thèmes sonores sont vraiment bien choisis. Alors ici, un PC. Cet ordinateur sert à débloquer le verrou électronique. L'allumer, oui. Parce que sinon, toutes les autres pièces sont plus ou moins fermées. Hein, du coup. Donc là, voilà, logo Umbrella. On voit que voilà, il y a Umbrella de marqué de partout. Donc c'est vraiment propriété. Et... Ah oui. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors, ici, en fait, il y a des mots de passe à mettre. Alors, moi, je les connais. Parce que ouais, c'est des mots de passe que j'ai retenu depuis la toute première fois. Et je m'en suis jamais... Enfin, j'ai jamais oublié. Mais pour que vous sachiez où les trouver, eh bien, on va faire le tour. Alors, si je dis pas de bêtises, ah bah non, d'accord. Donc cette porte là est ouverte. Voilà, parce que normalement c'est la première porte que nous devrions faire. Là, je crois qu'il y a un zombie classique, deux même. Ah non, là il y a rien. Eh bien, prenons la première porte ici. Il y a un bouton. Eh bien, évidemment, appuyons dessus. Ah bah voilà, bah ça tombe bien, c'est dans cette pièce-là qu'on va trouver... On va trouver ce qu'il faut. Alors, lettre du chercheur. Le 8 juin 1998. Cher Ada. Ada, lorsque tu liras cette lettre, je serai quelque peu différent. Les analyses que j'ai faites aujourd'hui se sont, comme je m'y attendais, révélées positives. J'ai l'impression de perdre la tête quand je pense que je vais bientôt devenir comme eux. Ada, tu n'as pas été contaminée et j'espère que tu ne le seras jamais. Si tu es la dernière survivante, prends les informations que tu trouveras dans la salle des données visuelles et va aux centrales électriques pour activer le système de compte à rebours avant de t'échapper. Et contacte la presse pour alerter l'opinion publique. Si tout fonctionne normalement, tous les verrous peuvent être désactivés par le système de sécurité. Tu peux accéder au système en tapant mon nom et le mot de passe sur le terminal qui se trouve dans le petit laboratoire. Le mot de passe, c'est ton nom. Donc là, deux éléments à savoir et indispensables. Alors moi, quand je vous le disais, voilà, connaissant quand même pas mal le jeu, je les connaissais. Donc là, sur l'ordinateur qu'on a trouvé quelques minutes plus tôt, eh bien pour entrer dans le terminal et pouvoir déverrouiller les pièces qui sont pour le moment électroniquement fermées. Donc pour accéder au système, il faudra taper donc son nom, le mot de passe. Donc c'est la personne à qui cette lettre est adressée, donc Ada. Voilà. Pour ouvrir la porte du sous-sol 2, où se trouve la salle des données visuelles, donc c'est la salle en haut, hein. Tu auras alors besoin d'entrer d'abord nos noms, puis un autre mot de passe. J'écris le code ci-dessous, je suis sûr que tu le comprendras aisément, c'est mon dernier espoir. Si tu me retrouves complètement métamorphosé, s'il te plaît, tue-moi, mot de passe. Donc voilà, donc on a une sorte de M avec un petit hochet.
On a une sorte de losange, un losange ennemi, on va dire. On a un 1 à verser et un M. Affectueusement, John. Lettre du chercheur. Et pour être bien sûr que c'est vraiment important, Jill nous redonne hein, John et Ada. Donc évidemment, voilà, si on fait dossier. Voilà, lettre du chercheur. Donc, tadam, ok. Donc, les informations de la salle des données visuelles, donc c'est là où on faudra aller, parce qu'on va apprendre pas mal de choses dans cette salle-là. Et on doit également voilà, aller au central, à la centrale électrique pour activer le système de compte à rebours avant de t'échapper. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais nous, on va le faire pour essayer d'avoir la meilleure fin possible. Et donc, vous avez le mot de passe ici, je vous conseille, si vraiment vous voulez trouver par vous-même, c'est de recopier ces symboles sur une feuille. Et en fait, bah, la petite énigme, elle est toute bête. On dirait que quelqu'un a utilisé ceci récemment. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur, très très bien. Je prends avec plaisir. Toujours vérifier par deux fois, on ne sait jamais, vous voyez, deux chargeurs d'un coup. Très très bien. Ah bah là, une plante verte qu'on prend avec plaisir. Et ici, vous avez un tableau. Il y a quelque chose d'écrit sur le tableau. Voilà, donc vous voyez un homme, une femme, un arbre, un ciel. Voilà. Et si vous prêtez attention aux caractères, bah c'est des caractères qu'on a dans dans la lettre du chercheur. Donc maintenant il faudra trouver à quoi correspondent bah, ces symboles en fait, hein. Et bien pour ce faire, les amis. Rien de plus simple. Une commode qui ici nous pouvons bouger. Appuyer sur le bouton. Ça fait une lumière bleue. Vous voyez. Et cette lumière bleue, elle n'est pas pour rien. Puisque quand vous revenez sur le. Voilà, sur le tableau, vous voyez tree, apple, man et woman. Donc tree, arbre, hein, pour ceux pour qui l'anglais ça ferait 36. Arbre, pomme, homme et femme. En gros, le tableau représente Adam et Ève. Voilà, avec la pomme, l'histoire de, voilà, d'Adam et Ève, la pomme, etc. Donc, en ayant ceci, eh bien, vous avez juste à recopier les symboles. Voilà, donc arbre, vous remarquez les symboles. Vous faites la corrélation. Avec les lettres que vous voyez ici et le code de la lettre. Et si vous ne vous êtes pas trompé, eh bien vous devriez trouver molle. MOLE. Alors ne me demandez pas qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais. Là tout de suite, je ne sais pas. Mais c'est bien ce mot qu'il faudrait trouver. Donc c'est John pour accéder au. Comment dirais-je? Au terminal, Ada pour débloquer une salle et Moll pour débloquer l'accès à la centrale. Bon, voilà la petite énigme. Je crois que les portes là sont fermées. Ouais, là, c'est fermé. Ici, un panneau actionné par un code d'accès. Vous n'avez pas le code d'accès. Et c'est là où où les trois d'Eskimo vont nous aider. Et là, c'est fermé électroniquement, donc là, on n'a rien à faire. Donc, on va retourner dans la salle avec l'ordinateur et on va aller taper le code. Thank you.
commencer par ici. Allez, Jill, si tu veux bien. Donc, le login, souvenez-vous, c'est John. Vous faites entrer. Voilà. Password, c'est Ada. Ok, donc on a réussi à rentrer. Maintenant, on va sélectionner le B2 pour déverrouiller les salles. Et là, il faut le password. Et le password, donc, c'est MOLLE. M-O-L-E. Ah, B2, très très bien. La salle B2 déverrouillée. Et n'oubliez pas évidemment de débloquer le B3. Alors, pas besoin de remettre le mot de passe. Parce que d'ailleurs, je crois que le mot de passe, hein, c'est que pour le B2. Voilà, B3 déverrouillé. Parfait, parfait. Eh bien, on peut quitter. Alors, on va faire une petite chose. Nous allons aller directement dans la salle des données visuelles, comme ça, ça sera déjà fait et on aura plus besoin d'y retourner. Donc voilà, donc le B2, c'était pour cette porte ici. Voilà, ici nous avons voilà, système de sécurité, sous-sol niveau 1, héliport. Seules les directions et les membres officiels du gouvernement ont accès à l'héliport. Ce règlement ne s'applique pas en cas d'accident. Accès à l'hélicoptère. Nul n'est autorisé à pénétrer dans cette zone s'il n'est pas accompagné par un conseiller en recherche ou les directeurs chargés de la sécurité. Toute autre personne sera tuée sur le champ. L'ascenseur. En cas d'urgence, les ascenseurs s'arrêtent automatiquement. Sous-sol niveau 2, salle des données visuelles, donc la salle où nous sommes. La salle de données visuelles est sous le contrôle de la division de la recherche spéciale. Keith Arvin, directeur de cette salle, a tout pouvoir quant à l'usage qui en est fait. Sous-sol niveau 3, prison. La prison est sous la responsabilité des services sanitaires, un conseiller à la recherche E. Smith, S. Grove et A. Wesker. Wesker, tiens, un nom qu'on connaît, doit être présent en cas d'utilisation d'un virus. A. Wesker, Albert Wesker. Pourquoi son nom est dans ce rapport. Porte à triple verrou. Donc là, la double porte avec les trois lumières que nous avons vues. Hein. L'une est autorisée à la franchir sans avoir préalablement présenté les documents comportant les codes d'accès. Ces documents sont établis par le directeur de recherche de chaque projet en utilisant une machine spécialement prévue à cet effet. Donc, les trois disques vont nous permettre de récupérer les trois codes d'accès. Et ces codes d'accès sont à récupérer eh bien, dans chacun des départements. Voilà. Centrale électrique. Seuls les surveillants du quartier général sont autorisés à y pénétrer. Ce règlement ne s'applique pas aux conseillers à la recherche ayant reçu une autorisation spéciale. Machine pour code d'accès. Seuls les directeurs de recherche sont autorisés à utiliser la machine pour code d'accès. Sous-sol niveau 4. Top secret. En ce qui concerne les progrès de Tyran après l'utilisation du virus T. Le reste du document est illisible.
Donc on apprend, ça parle d'un tyran, ça parle de recherche, etc. Très très bien. J'espère qu'il n'y avait pas besoin de mettre un esquimau ici. Un intercom, il ne semble pas fonctionner. Je crois pas. Très très bien. Des symboles de physique étranges sont inscrits. Très très bien. Donc là, un écran. Voilà, un écran. Ici, on est un. Voilà, lié à un panneau. L'ouvrir. Il y a un bouton, appuyer dessus. Bien sûr, appuyer dessus. Là, un petit passage secret pour récupérer, et ça, chose très importante, la clé du labo qui va nous être utile. Un signe étrange est gravé ici. Voilà, et maintenant ça s'appelle la clé pièce. Voilà, donc un symbole étrange est dessus, très très bien. Là, les diapos, on n'a pas vérifié évidemment les diapos. Voilà, on dira un rapport de recherche. Eh bien, les diapos vont nous servir tout de suite. Un projecteur. Umbrella Industries, matériel, armes biologiques. Voilà. Bio Organics Weapon. Voilà, donc les BOW, hein, souvenez-vous. Les Cerberus ou Cerber MA39, donc ce sont les chiens, c'est le nom du coup de ces chiens. Hein, donc ils sont appelés Cerber. Neptune FI3, c'est le requin hein, qu'on avait trouvé dans le sous-sol du poste de garde, mais qu'on n'a pas réellement combattu. Mais dans le remake, le combat se déroule autrement, je vous le dis. MA121, nos amis les hunters, donc chasseurs, hein, qui on devrait plus en voir, hein, mais on va voir un autre type d'ennemi qui est peut-être justement plus tard. Et là, le T002 Tyran, bon, ça fait référent, on dirait que ça. On dirait genre un Terminator avec le T800 ou T002 là, mais non, non, c'est juste que Virus T, voilà. Virus Tyran, même si voilà par la suite avec les jeux d'après ils ont renommé ça un petit peu, enfin ils ont étoffé un peu plus l'histoire du virus, notamment dans Resident Evil 5. Ici une diapositive qui manque, donc c'est peut-être bah, justement les ennemis que nous croiserons un peu plus tard. Et là, Institut de recherche sur l'arme biologique, personnel 1, recherche et développement. Et si vous regardez bien la personne tout à droite, avec les lunettes de soleil, eh ouais, elle vous fait pas penser à quelqu'un? Eh ouais, c'est Wesker. Et bah, souvenez-vous, hein, on avait eu vent qu'apparemment il y avait un traître parmi les Stars. Bah, ça a tout l'air d'être Wesker. Hein. Wesker qui travaille pour Umbrella en réalité. Alors, là, on va s'équiper du fusil. Alors, l'autre pièce, est-ce que on l'a déverrouillée? Je ne sais plus. Alors là, on va essayer d'esquiver un petit peu les zombards. Je vous garantis pas qu'on réussisse. Donc cette porte là, ah, cette porte là était fermée jusqu'à maintenant. Donc la porte au fond, hein, pour le moment, sûr et certain, elle est encore fermée. Alors là, si vous vous approchez bien, ah là, bah, lui, on l'a eu. Laissez-le vous approcher. Il en reste encore un. Parfait. On est débarrassé de tout ça. Rien de spécial, voilà. Ok. Et
là, qu'est-ce qu'on a? Télécopie à l'attention du directeur général des services sanitaires. De, on ne sait pas qui. Ah bah si, de comité spécial sur les catastrophes, division de recherche spéciale de Raccoon. Ce rapport est strictement confidentiel et doit être détruit dès sa lecture terminée. Le comité a réalisé une étude sur le terrain à la suite de la fuite du virus T qui a eu lieu tout récemment. Selon les résultats de cette étude, les dommages entraînés par cet accident sont bien plus importants que ceux qui avaient été estimés précédemment. Premièrement, bien qu'il soit très difficile de donner des chiffres précis, on estime que plus de la moitié des chercheurs ayant été exposés au virus T sont morts. Tout laisse à penser que le nombre de victimes va croître dans la mesure où la grande majorité des survivants manifestent des symptômes propres au virus T. Deuxièmement, notre système de sécurité est toujours en place. Néanmoins, toute notre équipe de surveillance spéciale est pratiquement détruite. Les informations relatives à nos recherches et que la société considère comme top secret pourraient être donc récupérées par des sources extérieures. Il est donc urgent de prendre les mesures qui s'imposent. Enfin, un nombre important des sujets de nos expériences après la fuite et est par conséquent incontrôlable. Nous pensons que certains des chercheurs ont été tués par ces sujets et leurs corps ont été mutilés. Aussi étonnant que cela puisse paraître, tous ces événements confirment le succès de nos recherches. Néanmoins, le risque de voir la presse s'emparer de l'affaire est très grand si nous n'agissons pas immédiatement. La situation est très préoccupante. L'opération consistant à étouffer l'incident relatif à la fuite du virus T est difficile à mener. Nous espérons résoudre ce problème rapidement. Nous sommes tout particulièrement préoccupés par une intervention trop rapide des forces de police ou des STARS. Nous devons également réfléchir à cette éventualité. Voilà, donc en gros, la société Umbrella faisait des recherches ici, parce que voilà, il y a un manoir, il y a un labo, etc. Ça s'est un peu retourné contre eux parce que bah voilà, il y a eu une fuite du virus, donc du virus T qu'ils étaient en train de. Ouais, ils faisaient des recherches dessus. Et bah, ce virus a tué tout le monde. Ah, des rubans machines, on prend. Et donc du coup, bien qu'ils aient envie d'étouffer l'affaire. Le problème, c'est que tout ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité. Ah, bah c'est ici qu'il faut mettre un disque émo. Voilà, c'est une machine pour code d'accès. Si j'avais un disque émo, je pourrais avoir le code. Rien de spécial. Très très bien. La plupart des livres sont des romans. Il n'y a pas un livre à récupérer ici? De toute façon, on va revenir parce qu'il va falloir mettre un disque émo dans cette salle-là. Donc cette porte-là est fermée, évidemment. Celle-ci, on l'a visitée, je crois. Regardons le plan. Ouais, on les a visités. Ah ok, donc la salle de sauvegarde, je vois où est-ce qu'elle est. C'était pas forcément là où je pensais. Très bien. Alors ce qu'on va faire les amis, on va se faire un dernier aller-retour. On va aller poser ce qui nous est pas utile. On va prendre le disque émo, on va retourner le déposer quand ça sera fait, parce que le souci c'est que voilà, ces zombies tout nus sont virtuellement immortels, puisque comme je vous le disais, dès qu'on les tue, vous quittez la pièce, vous revenez et ils réapparaissent. Donc nous on va évidemment Tac. On va prendre. Donc on va essayer d'économiser quand même un maximum les munitions.
Donc prenons un premier disque mot. Et on ira s'arrêter à la salle de sauvegarde. Mais voilà, là ça sera vraiment la vidéo bah, du poteau rose, hein, parce que voilà, on a su, voilà, enfin on a découvert ce qui s'est passé réellement ici, on a découvert qui est le traître, hein, que Enrico Marini nous avait parlé, et qui l'a tué au final. Hein. Donc ce n'est pas Chris, ce n'est pas Barry, mais voilà. Est-ce que Barry, on va le revoir, est-ce que... est-ce qu'on va tomber sur Chris? Parce que Chris, depuis le début du jeu, on l'a pas vu. Bah, si vous voulez avoir une des bonnes fins, bah oui, faudra aller le voir. Alors c'est vrai que en 96, ils n'avaient pas encore le réflexe de qu'on faisait action sur un élément, de nous mettre directement dans le menu. Il faut tout faire manuellement, c'est un petit peu chiant. Code d'accès 01. Je le jure par moi-même, oracle de Yahvé, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, Genèse 22-16. Bon, donc un code d'accès, voilà, on l'a automatiquement, pas de souci. On en a un sur trois. C'est un passage tiré de la Bible ou de la Genèse. Hein. Je sais pas hein, si c'est la Genèse et la Bible, c'est le même ouvrage. J'ai un doute. Parfait. Ah, il nous a croqué. Là, vous êtes nombreux là. Ah, j'aurais dû faire le tour. Ah bah vous voyez, voilà, la porte ici, elle est... Ah bah celle-là, elle est fermée. Voilà. Eh bien, bah c'est cette porte-là qui va prendre. Vous avez utilisé la clé pièce. Cette clé est inutile à jeter, oui. Ah, j'ai... Ouais, je me doutais pas qu'ils étaient trois. Au total, je pensais qu'ils étaient que deux. Bon, c'est pas bien grave. On va essayer de se souvenir. On n'aura qu'un seul zombie. Un ou deux, d'ailleurs. Ça va, des balles de... On a assez de balles de... Ah! J'en ai mis à côté. Ah bah lui il est mort, parfait. Ok, donc, par ici vous voyez au sol Powerhouse. Donc par là c'est la centrale électrique que nous verrons dans la prochaine vidéo. La salle en face, bah c'est comment dirais-je, c'est la salle de sauvegarde. Et si vous allez là, bah il y a un ascenseur, mais ça sera pas pour tout de suite que nous irons là-bas. Ici, il y a une porte ouverte. Allons la découvrir. Ah oui, bah tiens, il y a... Intéressant ça, une petite plante rouge. Ça faisait longtemps. Alors là, une petite énigme également. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver des petites cartouches.
Et là. Bon. Si jamais vous vous gourrez, eh bien, vous pouvez ressortir de la salle et re-rentrer. Et il n'y aura pas de problème. Alors, une redite un petit peu du piège qu'on avait eu dans le manoir. Vous avez deux grilles d'aération au sol, deux caisses, un escabeau, un bouton au milieu. Donc vous l'aurez compris, eh bien, le but, ça va être de poser ces... Ah zut! Ah c'est même dès qu'on marche dessus, ça... Ah bah là j'ai mal fait. J'ai mal fait. D'habitude je m'y prends mieux. Ah je pensais que... D'accord. Et est-ce qu'on est empoisonné? Même pas. Non. Bon, on va refaire. Alors, ce qui est bien, hein, c'est que même si vous activez le piège entre guillemets, eh bien vous avez juste à ressortir et le gaz s'échappe. Voilà, donc normalement, oui, c'est bon. On va devoir. D'accord, il est bloqué par le... Ouais, bon, donc on a mal fait. Je crois qu'on a mal fait là. Ah, attendez, on va ressortir de la pièce. C'est simple à faire, hein, mais c'est que au pixel près, des fois, ça ne passe pas. Alors, que faut-il faire? Parce qu'il va falloir le pousser juste légèrement de la table.
table d'opération. Ah là là, Jill, Jill, Jill. Écoute un petit peu ce que je veux faire. Et là, vous le poussez bien comme il faut. Pas assez poussé. Il manque un pixel. Allez. Voilà. Comme ça, on pourra se mettre derrière le... caisse. Ok, on y arrive. Et maintenant, l'escabeau. Et voilà. Le gaz ne s'échappe pas. Impeccable. Il y a un conduit d'aération et entrée, évidemment. Ah bah je sais pas où on va ressortir en plus. Donc ouais, fusil, les amis. Parce que c'est la porte, bah, la double porte déverrouillée, verrouillée justement. Mais on vient ici pour pas grand chose, mais quand même des cartouches Magnum. Nous prenons avec grand plaisir. Rien d'autre, voilà. Une salle, une morgue, voilà. Un corps étendu ici. Voilà. Et ici, nous avons une machine pour code d'accès. Si j'avais un disque émo, je pourrais avoir le code. Et... ouais. Bah, on ira le mettre la prochaine fois. Alors, je crois qu'on peut pas retourner hein, par le conduit ici. Donc, vous êtes obligé. Voilà. De ressortir, mais attention qu'on ressort, bah, les zombies sont revenus. Ouais, voilà, vous entendez. Ouais, parce que je commence à avoir un doute, tiens, ils sont pas revenus. Mais si, ils sont revenus. Enfin, on en avait laissé un quand même en vie, je crois, mais... parfait. Ben voilà. Bah ben d'ailleurs voilà. On va aller mettre le disque émo direct parce que là c'est la salle de sauvegarde. Donc on va juste se permettre de faire ça avant de sauvegarder. Et puis ça sera déjà bien. Là, des cartouches flammes, ça c'est cool. C'est cool pour le bazooka. Ça va nous être bien utile. Et là, une herbe bleue, une herbe verte. Royal au bar. Prenons ça. Faisons des mélanges, les amis. Voilà, ça c'est beau. On prend l'herbe bleue, même si vraiment je les ramasse, histoire de dire qu'on a ramassé, mais les herbes bleues vont pas nous servir. Alors. Je prends l'herbe bleue, je vais déposer. Alors le mélange d'herbes, je voudrais bien le garder quand même avec moi au cas où. On va prendre les cartouches Magnum, on va prendre les cartouches flammes, histoire de faire de tout bien ranger le bien comme il faut. On va prendre un disque émo. Puis voilà. Pour être plus rapide, on va prendre ruban machine, on va prendre une herbe verte,
Non, pas le mélange. Pas le mélange. Je vais prendre juste une herbe verte. Normalement, une herbe verte, ça devrait suffire à me soigner complètement. C'est ça. Parfait. Allez, on va aller obtenir le deuxième code d'accès, les amis. Et on s'arrêtera là, puisque la vidéo est... a vraiment que trop duré. Hein. On a dépassé les 51 minutes. Alors, vu qu'on l'a déverrouillé, de toute façon, on peut se permettre... Alors, si vous voulez la jouer safe... Vous avez vu, hein, les deux sont revenus alors qu'on les avait tués. Deuxième code d'accès. Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Genèse 22:17. Très bien. Eh bien, ça avance quand même plutôt bien. Hein. On a déjà deux codes d'accès sur trois. Alors, je vous dis, le troisième se trouvera dans la centrale. Voilà, donc on pensera à récupérer eh bien le dernier disque émo. Et d'ailleurs, de toute façon, ça va être notre dernière le dernier objectif. Ça sera d'y aller. Et avec ces trois, une fois qu'on aura les trois codes d'accès, on retournera déverrouiller la porte, hein, puisque apparemment c'est la porte de la prison. Et c'est un lieu qu'on n'a pas encore exploré. Et voilà les amis, on sauvegarde. Et c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je prends quand même mon temps pour bien vous montrer où aller pour trouver les les documents que vous aurez besoin, etc. Voilà, j'essaie de vous montrer le jeu comme si voilà c'était la première fois que vous y jouez. Donc voilà, comme ça vous aurez toutes les tout le cheminement. Voilà, si un jour vous voulez faire le jeu, vraiment je vous conseille. Sur ce, les amis, n'oubliez pas le soutien, tout ça, vous connaissez. Et à très très bientôt les amis. Ciao ciao.